Attaque surprise. Luigi. Attends, quoi? Ok. Luigi, le roi Boo se trouve dans la salle de l'expo ferroviaire. Profite de l'effet de surprise et rends-toi sur place. Tu dois affronter le roi Boo pour sauver Mario. Ah, déjà? Ah, Luigi, tu tombes bien. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par y arriver. J'ai connecté le télépixelisateur à la caméra miniature de l'expo ferroviaire. Et le fameux signal paranormal de l'occultographe à détecter est toujours aussi puissant. Ça ne peut être que le roi Boo. Quoi le mot connard? Ah! Non, parce que Catastrophe a dit ouais, Tableau Mario peut se revendre bien cher aux enchères, c'est bon. Rien de grave. Il a pas l'air d'essayer d'acquitter la pièce, je pense qu'il prépare un gros coup. Et connaissant, ça ne peut être qu'un mauvais coup. Le moment est donc idéal pour passer à l'offensive. Nous bénéficions de l'effet de surprise, il aura aucune chance. Il ne s'adonnera jamais à te voir de cette caméra miniature. Tu es prêt mon garçon, c'est maintenant ou jamais. Rends-toi sur place, sauve Mario, et profite-en pour capturer le roi Boo. Bonne chance Luigi, sois prudent. Let's go. Mouah, surprise, tu t'attends à avoir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils ont tous des noms hein? Eh ben non alors, l'asper, tu dis pas Maxi Boo, je suis super balèze à bord et j'ai très dur à Maxi Bouilli. Ah d'accord, ok. Ah attends. Je crois que j'ai compris un truc là. Voilà. Quoi? Ah, faut les mettre en cage. J'ai hâte de comprendre. Ça, je vais te comprendre comment ça fonctionnait. Dépêche le train! Allez! Ah
bâtard! Bon, ça va doucement, mais sûrement. Dommage. Il reste quoi, 3 encore? Il était pas bien placé là. Oh! Il reste plus que deux. C'est pas possible d'être abruti comme ça là. C'est pas possible d'être abruti là. Bah oui, putain, mais j'ai pas de chance aussi, là. Mais quoi? Mais merde! Mais non! Mais ça c'est... Non mais ça c'est pas fun là quand il n'y a plus beaucoup! Mais putain! C'est... Non mais là c'est de la merde en fait! Enculé, vas-y. Ah, je suis désolé, hein, c'est... Mais là, devoir être précis à ce point-là, ça m'amuse pas, en fait. Oh, putain. Voilà. Bon, au moins, ça, c'est fait. C'est bon. Et donc... Une chose est sûre, Luigi, le fantôme que tu as affronté, c'est pas le roi Boo, ça non.
On voulait le prendre par surprise, mais en fait, c'est nous qui avons été surpris. Mais les autres qui se sont sortis indemnes de cette embuscade, je vais y travailler. C'est moi qui n'étais pas là, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, nous finirons bien par le trouver. Pour le moment, tu vas rentrer te reposer, attention au départ. Voilà. Ouais, ouais, bah ouais. Bah ouais. Luigi, tu vas bien, mon garçon? Allez, on dégage plein de boue! Ouais, bah oui, oui. Je n'arrive pas à croire, le roi boue s'est joué de nous! J'aurais dû me douter que c'était un piège. Je suppose qu'il a réussi à pirater mon système de surveillance. Il aura modifié l'image pour t'attirer la balle, on s'est jeté droit dans la gueule du loup. Je t'avais bien dit que les boues pouvaient être de véritables fauteurs de troubles. Bref, en tout cas, ceux-là sont pas prêts de revenir t'embêter. Comme ils étaient prisonniers à l'intérieur du train, j'ai pu être pixelisé tous ensemble. Tous les voyageurs ont gagné un aller simple à Chambrefort. Oh oh. Mais l'heure est plus à la rigolade, nous n'aurons pas de répit tant que le robot sera libre. Je me demande comment il a fait pour s'échapper de ce tableau. J'aurais peut-être pas dû vendre lors de mon dernier vide-grenier. Ok, d'abord, d'accord. Bref, repose-toi un peu, mais pas trop longtemps. Ton frère compte sur toi, mon garçon. Allez. Et la mission 5, le chaos paranormal. Je reçois un signal étrange en provenant de la terrasse. J'aimerais que tu t'y rendes pour voir sur quoi ce qui se passe là-bas. Luigi, je sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais quand tu as vaincu Maxibou, l'occultographe a détecté un nouveau signal très étrange. Il s'agirait d'une distorsion dans la trame même de notre dimension. Plus précisément, ça correspond à un portail, Luigi, un portail paranormal ouvert sur la terrasse. Ah ah. Il y a de fortes chances que le dernier fragment de la lune noire soit caché derrière ce portail. Et quelque chose te dit que ton frère Mario et le roi Boo nous attendent également là-bas. Mais je dois te prévenir, traverser un portail paranormal est extrêmement périlleux. Malheureusement, j'ai peur que nous ayons d'autres choix. Sois prudent, mon garçon, l'avenir du monde est entre tes mains. Let's go! Ok! Allons enquêter sur la terrasse. Ok, c'est très bien. C'est comme ça que je le voulais. On ira sur la terrasse, on ira sur la terrasse, mais d'abord... J'ai un truc à faire. Bonjour! Je me prénomme Marabout, j'espère que tu as pas peur du mauvais œil. Allez, c'est le dernier bout normalement. Et 1, 2, et 3! Et voilà!
Bon, allez, direction le... La terrasse. Bonjour. Ah là là. Alors j'ai souvenir qu'ici l'ambiance est folle. Non, d'un globule, j'ai enregistré le plus gros pic d'activité paranormale de toute l'histoire. L'heure est grave, Luigi, très grave même, leur pote attendra. Nous avons ramené ces niveaux à la normale. Si ne faisant rien, notre espace sans risque de se disloquer. J'ai indiqué sur ta carte les endroits où je détecte la présence de fantômes. Bonne chasse mon garçon. Capturez au plus vite tous les fantômes. Let's go! Wouah! Ah oui, donc là maintenant c'est la chasse aux fantômes avant l'heure en fait. L'ambiance est dingue, elle est dingue vraiment. Hein. Oh, par contre, je me fais chier pour rien. Hein. Oh, oh non, c'est bon. Ok. Wouh. Allez, suivant. Mais hey, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Voilà. Allez, regarde vite la carte, ok. C'est où? Rez-de-chaussée, ok. Allez! Ok. Nouveau fantôme détecté. Oui, 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 je sais. Oh,
Putain, et les gars! Putain, quel bordel! Ouah, mais quel bordel! Allez, 1, 2 et 3! Mais je m'en fous de ça. Enfin non, je m'en fous pas, mais... Ok. Attends, là-bas c'est jaune là. Ah oui, non, mais c'est jaune dans deux côtés en fait. Oh non! Ok. Allez, ça se passe bien pour l'instant. Alors non. Non, c'est pas par là! Oh non! Putain, vous cassez les couilles, vous, hein. Il est où l'autre? Oh non, mais non! Ok. Encore un. Encore deux. Et où la deuxième momie là? Ouais, peut-être mort. Oh putain! C'est rouge là-bas, c'est rouge! Oula! C'est rouge, messire, c'est rouge! On va voir ce qui se passe sur la terrasse. Ok. Non, attends, la terrasse c'est pas là. Putain, du coup il y avait un coffre, mais j'ai pas le temps d'aller le voir. Du coup, tant pis. Allez, voulez-vous battre? Ah
Bordel. Oh mais what? Allez, 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 allez. Lui, j'ai trop concentré sur le fantôme pour avoir peur. Oh bordel! Dommage. Ça c'est incroyable ça comme passage en vrai. Hein. Ok. C'est fini, c'est pas fini. Ça a l'air d'être fini. Ouh. Bravo Luigi, encore une fois tu as réussi. Tu es devenu un véritable héros de la chasse aux fantômes. Electoblast 5000 est le stylet avec lequel tu graves la légende dans le marbre. Tiens, à propos, Electoblast va être plus à craquer de fantômes. Je vais te ramener ici pour que tu puisses te vider... Le vider avant de franchir le portail. Incroyable cette mission. Par contre, j'ai perdu beaucoup d'énergie. Hein. Bon, c'est le final là, j'imagine. Fou, l'espoir d'Azan, j'ai cru que tu allais pas t'en sortir, mon garçon. Ce défi était peut-être le plus difficile que tu aies réussi à relever, mais tu as réussi à sortir avec brio. Allez. Eh, bientôt. Putain, presque 40 000 en vrai. Hein. Ta victoire contre Maximo a dû mettre le roi Beau hors de lui. Je veux dire qu'il a envoyé cette armée de ce fantôme contre nous pour se venger. Malheureusement pour lui, on sait maintenant comment l'atteindre à coup sûr. Et oui, mon garçon, le portail paranormal y est toujours ouvert. Et ça pourrait ne pas durer, il pourrait le fermer à tout moment. Prends garde à toi, le roi Beau, le poids vengeur de la justice va s'abattre sur toi. Pas vrai, Luigi? Allez, il est temps de conclure.